j'aurais dû emmener mes bottes d'eau. Ah, tabarnouche. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une trail de VTT. On est dans la région de Lanaudière, à Saint-Cuthbert exactement. Puis on va aller faire la trail. On va se rendre à Saint-Gabriel-de-Brandon. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air par là. J'ai déjà été en motoneige, mais c'est pas la même trail du tout. C'est complètement une autre trail. De toute façon, je suis parti de Saint-Jean-de-Mata en motoneige. Là, on va partir de Saint-Cuthbert. Il n'y a pas de rien de spécial, il n'y a pas d'attrait touristique, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas rien. C'est juste une balade jusqu'à Saint-Gabriel-le-Brandon. On va checker ça un petit peu rendu là-bas, puis après ça, on va revenir. OK, on part! Là, on est dans un stationnement de Saint-Cuthbert. Il y a de la place en masse, il n'y a pas un chat. Ça, c'est le taux du stationnement. Comme vous pouvez voir, il y a de l'espace en masse. OK. On s'en va vers la trail. L'entrée de la trail, c'est pas ici. Ça, c'est un stationnement d'aéroport. Mais il me donne la permission de stationner ici quand même. Donc, on va aller à la recherche de l'entrée de la trail en espérant que je cherche pas trop. Belle journée aujourd'hui pour faire du VTT. Il fait pas froid, pas trop chaud non plus, c'est juste correct. Il y a un petit bout de route à faire, mais on a le droit, juste pour se rendre à l'entrée de la trail. Saint-Gabriel-de-Brandon, tout droite. À droite, c'est Saint-Barthélemy. C'est une trail locale. Nous autres, on va rester sur la trail régionale. Voilà, à Saint-Gabriel. On va checker ça, là, je ne suis pas sûr. On va checker ça. OK, j'ai checké sur le GPS, c'est bien correct. On est dans la bonne direction. Là, on rentre dans la trail, yes! Direction Saint-Gabriel-de-Brandon. J'ai oublié de mettre mes bottes d'eau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boîtes et d'eau. On se croise les doigts. Un petit peu, mais comme ça, c'est correct. Je ne mourirai pas trop.
petit trail. Sur quatre roues motrices. Chasseurs à l'affût, mais pas l'été. Cet automne, là, de toute façon, on n'a même pas le droit d'aller dans les trails quand c'est le temps de la chasse. Lac à côté de nous autres, à notre droite. On longe un petit bout.
j'aurais dû emmener mes bottes d'eau. Ah, tabarnouche. OK. Ça se peut que je sois mouillé. Mais c'est pas grave, au moins il fait pas froid. On va essayer d'y aller pas trop vite. Je me suis pas mouillé, chanceux en tabarouette. Mes tanks à gaz en arrière, j'ai deux 10 litres. Ils tiennent bon. Je les ai attachés assez serrés puis un peu partout. Mais des fois, on sait jamais. Ça brosse tellement que ça peut débarquer quand même. Flaque d'eau, on se croise les doigts. Yeah! Parce que si je reste pris en plein milieu, en roulant, c'est pas pire, mais si je reste pris en plein milieu avec mes running, là c'est sûr que je vais avoir les pieds mouillés. Peut-être pas dans l'écran, mais c'est des bonnes roches, ça. Puis ça descend en plus. On va y aller tranquillement. Thank you.
C'est bien indiqué. J'emmène tout le temps mes bottes d'eau, puis je n'ai jamais besoin. Là, j'aurais bien aimé ça les avoir. Là, j'ai peur de rester plus dans l'eau, là. À gauche, il y avait une route, mais c'est plus droite. Il n'y a rien de marqué. Sinon, il aurait fait une indication pour tourner à gauche. On arrive sur une route. Il indique pas si c'est à droite ou à gauche. Ah! Ok, je l'ai. Je vais jouer un petit peu sur mon GPS. C'est à gauche. J'ai de la misère à voir. Faut que j'arrête pour checker comme il faut. Toujours dans la bonne direction, ça. Ah, 125 mètres, ça veut dire qu'on va tomber dans une vraie trail. À gauche. Ah, là, c'est mieux. C'est mieux dans le sens que c'est un sentier, donc c'est pas une route. Un peu plus de challenge. En plus, on ne rencontrera pas de voiture. Non, on continue. Il y a une barrière. Carré de Saint-Gabriel de Brandon.
tout est long, le trail, ça retombe sur l'asphalte. Sur une route principale, ah, j'aime pas ça. J'espère qu'après Saint-Gabriel-le-Brenneux, on va pouvoir prendre une trail. Là, faut que je traverse cette voie-là principale. Hop, est-ce que tu parles là? Ah, ben oui, on reste pas sur la voie principale, Fiu. On l'a juste traversé, yes. Hop. Passer tout droit. À cause de la pancarte, elle croche, fait que je l'ai mal vu. De tout. OK. Chance c'est indiqué à gauche, parce que j'aurais... À gauche, mais la trail en l'air est là. Ah, oh, ça doit être là. C'est drôle, ça me fait l'impression que c'est pas ça. Je vais checker sur le GPS. OK, j'ai checké sur le GPS, là. Ça l'indiquait bien tourner à gauche et non tout droit. Parce que la trail, c'est en terre battue, puis en tournant à gauche, j'étais sur l'asphalte. C'est pour ça que je pensais que c'était ici, mais non. C'est vraiment sur l'asphalte. Ça, c'est la bonne direction. Il y a un autre trail là. Ah non, là, c'est indiqué ici. OK, tu vois, là, c'est indiqué là, à droite. Hey, l'hiver! J'ai passé en skidoo aussi, ça. Il y a des bouts, là, que les skidoo, les motoneiges, puis les quads se rencontrent, mais là, ça, c'en est un petit bout. Un petit bout.
Mais là, on approche vraiment de Saint-Gabriel de Brunton. Je vais arrêter de checker le GPS parce que je vois une trail à gauche. C'est bien marqué VTT. Puis l'autre, tout droit. Mais je vais aller tout droit, mais je vais checker après avoir traversé la rue. Ben, attends, je vais aller voir à gauche, ça va où? OK, je viens de checker à gauche, là. Ça va pas à Saint-Jean-de-Mata, au centre-ville, mais ça s'en va en direction de Saint-Jean-de-Mata. Ça va jusqu'au domaine de la montagne, puis ça l'arrête au lac Berthier. C'est pas en Berthier, là, c'est à, je pense, à Saint-Jean-de-Mata. Si jamais il me reste du temps, on va aller faire un petit bout jusqu'au lac Berthier. On va passer par le domaine de la montagne. Là, on va aller au centre-ville. Je vais aller prendre un petit dessert. Ben, j'ai dîné, je vais prendre le dessert. Moi, ça me prend mon dessert. OK, on s'en va dans le village. On y va. OK, pour se rendre au centre-ville, il y a deux places. À droite, puis à gauche. Étant donné que cet hiver, je suis allé par la droite en motoneige, on va aller essayer l'autre direction à gauche. On explore. Descente à pic. C'est surtout pour l'hiver les descentes à pic qui l'indiquent. L'été, c'est possible.
pensé à gauche, mais il n'y a rien de marqué. Ah, plus droite. Okay. Là, il y a une indication pour skidoo, mais motoneige, puis quatre roues, c'est non. Saint-Gabriel, le Brandon, c'est le fun, là. Autant l'hiver que l'été, on peut se promener dans le village, mais pas partout, là. Juste les places qui sont indiquées, mais c'est quand même pas mal. Quand même pas mal de places. Vérifier quelque chose. Ok, je viens de voir qu'il y a une petite crèmerie. Parce qu'il y a pas mal de places qu'on peut aller dans les rues de Saint-Gabriel-le-Brendon. Je veux pas aller n'importe où. Le chalet glacé. C'est sûrement une crèmerie, ça. Ah oui, il y a un dessin de cornet. Ok, on s'en va là. On peut y aller, mais moi c'est à droite. Si on veut aller, si je veux aller à Crèmerie. Rue Barrée. Il doit y avoir une petite trail pour le 4 roues. Sinon, on ne verra pas. Ah ben oui, c'est barré. Mais à quel tour on peut passer? Juste checker parce que je suis pas sûr. Ok, on est dans la bonne direction.
mangé en ski aussi, en motoneige cet hiver ici. Et on est au chalet glacé. Yes, yes, yes. On va stationner en arrière. OK, je prends un petit break ici. On continue après. Là, je viens d'aller prendre ma petite crème glacée. Je vais aller vous montrer ça, là. C'est trop beau. Et tout est propre. Bon service. C'est à Saint-Gabriel-le-Brendon. Pas quelle rue, là, parce que moi, j'arrive pas à checker. Je checkais ma place de crème glacée. Fait que c'est ça, le chalet au chalet glacé. Super bon. Belle petite terrasse. J'ai pris, je dis bizarre, là, c'est pas bizarre, là, c'est une avalanche, je pense. Fait que c'était super bon. Fait que là, moi, je m'en retourne, mais je vais continuer à filmer, parce que je vais faire une boucle par la ville. Puis on va se rendre à l'intersection où est-ce que c'était marqué Saint-Jean-de-Mata. Fait qu'on va se rendre au lac Berthier. La trail, elle arrête au lac Berthier. Ça se rend pas à Saint-Jean-de-Mata. Fait que c'est ça, j'étais pas sûr d'y aller, là. Mais finalement, il est de bonne heure. On va faire une petite trail là. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ce trail-là. Parfait. On y va. OK, comme je disais, on n'arrêtera pas la vidéo parce que c'est une boucle. Il y a tellement de chemins qu'on peut passer dans le village. On peut s'en retourner par un autre chemin. On va aller retrouver la trail. On arrive de gauche, on s'en va à droite. J'ai dit à monsieur que c'était toléré d'aller sur la route. C'est pas toléré, on a le droit. Regardez la pancarte, le rond vert avec le motoneige puis le VTT. On va quand même faire la lumière. Ralentissez, enfant, liberté est bonne. C'est bon. Hop. Je suis trompé. OK, je vais couper la vidéo, là. Je vais checker mon GPS, on va me retrouver, puis après ça, je repasse, là. Acheter quartier, là.
Ah, j'ai retrouvé mon chemin, là. J'ai un GPS, mais des fois, c'est pas évident. On est à l'intersection, c'est pas l'intersection de Saint-Jean-de-Matha, mais c'est l'intersection tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait aller à droite ou à gauche. Là, on arrive de la droite dans le fond. Là. Nous autres, on est allés par là. Puis, on sort d'ici. Fait que je filmerai pas le petit bout de. Ça va dans l'autre intersection vers Saint-Jean-de-Matha. On reprend à l'intersection. OK, on arrive à l'intersection. Regardez gauche, droite. Nous autres, on arrive de la gauche. Tout à l'heure, on arrivait de la gauche. Là, j'arrive de Saint-Gabriel. Là, on tourne à droite pour aller à... vers Saint-Jean-de-Matha. Ah, c'est marqué, ça va en quatre. Saint-Jean-de-Matha. Ça se rend peut-être? Saint-Jean-de-Matha à droite. Ah, ben peut-être que ça se rend. On va aller voir ça. Allons-y. Barré, circulation locale seulement, mais nous autres, on est en 4 roues, on va dans le bois. On va dans les trails. Ah, il y a des petites pites de sable à gauche, à droite, partout. Il y en a qui veulent s'amuser, là, c'est la place ici. Saint-Gabriel-le-Brendon, direction Saint-Jean-de-Matha, là. Il y a de quoi s'amuser là-dedans. Été seulement, parfait. Hiver à gauche, été tout droit. Parfaitement bien indiqué, c'est parfait ça. Je vais vous montrer un petit point de vue qui est sur le côté, qui est super beau. Je vais vous montrer ça. Je sais pas que ça va avoir l'air par l'écran, là. Mais moi, d'ici, là, je trouve ça super beau. On voit les montagnes de loin, là. OK, on continue. Thank you.
bien fait d'aller par ici, c'est beau. J'ai bien hâte de voir si ça sera à Saint-Jean-de-Maclay. D'après moi, ça va être au lac Bertier, là. Pas grave, on se promène. À droite. Alors, on tombe dans un vrai sentier. Là. Route quad, yes! Ici, c'est un sentier 4 saisons. C'est-à-dire autant l'hiver que l'été. Il y a eu un petit glissement de terrain ici. Ah non, je pense pas. Mais c'est bizarre. Il y a une motte en pleine entrée.
enlever pour le centre-ville. OK, ça y est. Avec des Félix de Valois à gauche, Saint-Jean-de-Matha à gauche. Dans le fond, c'est tout est à gauche. Un petit bout de route. Oh, bon, on est rendu au lac Berthier. C'est Saint-Jean. Saint-Jean-de-Matha à droite. Ça s'est rendu par la route seulement. Oh là. C'était marqué Saint-Jean-de-Matha 10 km. Va aller voir. Parce que là, on est rendu au bout de la trail là, qui est marqué sur le GPS. Allez voir ça. Oh, c'est un beau lac. Ah! Ça tourne ici à gauche. Ah, sentier hiver seulement. OK. Ça sera à Saint-Jean-de-Matha, mais l'hiver seulement. OK. On s'est rendu au lac Berthier. Effectivement, ça ne se rend pas. Ça se rend pas à Saint-Jean-de-Matha. Ah, ça aurait été le fun. Oh, ben ça arrête ici. T'es un petit peu déçu encore, là. Mais parce que j'ai fait bien de la route. Moi, j'aime ça faire de la trail. Mais c'est pas grave. On se promène quand même. Il fait beau, il fait chaud. Puis on va aller prendre une petite bière tout à l'heure. Fait que non, c'est le fun pareil, là. Mais je peux dire, là, comme il faut, là, moitié route, moitié trail. Fait que ceux que ça leur dérange pas, c'est parfait. Ça me dérange pas non plus, mais j'aime mieux faire de la trail. Bon, ben, je m'en retourne. Aux prochaines vidéos. Bye!